Les gens disent qu'elle est là-haut. Mais bon, moi j'y crois pas trop. Il doit faire très froid là-haut. Ma femme détestait le froid. Elle collait toujours ses petits pieds contre les miens la nuit. Et quand elle se levait, les draps retenaient encore quelques instants sa chaleur. Elle allait faire le café. Moi, le café, jamais vraiment aimé, mais elle mettait toujours un peu de lait dans le sien et ça faisait une odeur toute douce, toute crémeuse, qu'elle gardait un peu sur elle. Alors maintenant, je mets du lait dans mon café, j'aime bien. On était heureux à deux. Maintenant, j'ai froid. Très froid. Être heureux à deux, c'est mieux que d'être heureux tout seul. Tout seul, je me dis qu'il faut que je sois heureux pour deux, pour elle. Depuis le jour où ma femme s'en est allée, l'absence l'avait remplacée. Elle me suivait partout. C'est fou, ça, un vide qui remplissait tout. Jusqu'à s'asseoir dans son fauteuil et dormir contre moi. L'absence pouvait me réchauffer, parfois m'apaiser, mais bon, ça ne durait pas. Je levais la tête, j'essayais de l'attraper pour ne serait-ce qu'entrevoir un sourire, un miroitement dans ses yeux, oui. Je crois que je cherchais l'amour de quand on était deux. Alors d'accord, il y avait bien l'absence, toujours là pour me tenir compagnie, mais même elle, je crois qu'elle est partie. Tout ce que je veux, moi, c'est retrouver ma femme. Pouvoir me blottir contre cette chaleur que j'aime tant. Que tout redevienne comme avant. Mais peut-on revenir en arrière? Voilà, tout le monde sait que nous, on est tous obligés d'y passer. Faut pas être con. Un jour, c'est le moment. On vient nous chercher et il faut s'en aller. C'est vrai. Il est toujours présent, ce fichu temps. Il nous pousse sans arrêt, tout doucement, pas à pas, nous rapproche du néant.
Mais quand c'est quelqu'un qu'on aimait à ce point, c'est violent. Enfin, je dis néant, mais bon, je sais pas comment c'est là-bas, l'au-delà. Ça se trouve, c'est comme ici. D'ailleurs, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était joli. C'est étrange. À force de parler, je sais même pas où j'ai atterri. Est-ce que moi aussi? Est-ce que ici, ça serait pas là-bas?